Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture que j'attendais avec impatience, l'ascension du dueliste. Dedans, il y a de l'extension pour Gaïa, un nouvel archétype, un peu mignon, un peu beaucoup mignon, les Melfis. C'est des petits lapins, enfin des petits lapins, non, il y a des petits chats, des petits chiens, mais c'est tout mignon, c'est... J'aime bien les trucs mignons, vous connaissez mon amour pour les decks fun. Du coup, je me suis pris une display, et on va l'ouvrir ensemble. La display est jolie. On voit Gaïa qui chevauche la malédiction du dragon, la petite fusion qui fait plaisir, et avec un style et des couleurs qui sont cool. Mais on n'est pas là pour regarder le style et les couleurs, on est là pour ouvrir cette display que j'ai eu avec grande difficulté, hélas. Nickel. Hop. C'est une display que j'ai eu du mal à obtenir parce que la poste a fait un peu n'importe quoi pour que je puisse l'avoir. Ça a été mis dans une boîte aux lettres qui n'était pas les miennes. Du coup, j'en ai chié pour le récupérer. Allez, alors, on va ouvrir cette boîte magnifique. Oh là là là, regardez-moi ça. Et si ça, c'est pas beau. Donc, à l'intérieur, nous avons 24 boosters de 9 cartes. Et on va tous se les ouvrir. Allez. On ouvre incorrectement. Voilà, parfait, le premier. Et le reste, on les ouvrira à l'onégaine. Alors, on va pas s'arrêter sur les cartes qu'on connaît déjà. On va vraiment... s'arrêter sur les cartes qu'on n'a pas encore vues. Et quand on les a déjà vues, on les next. Alors, on commence avec Capitaine... Oh là, on va me faire juste une petite touche de mise au point. C'est Capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno. Appareil amorceur non autorisé. Mogi, Chevalier Noble Inferno, Faux de Lutin Tranchant, Gouttelette de l'Interdit, ok, alors l'Interdit, est-ce que ça veut dire ça va avec Exodia? Je connais pas du tout cette carte en fait. Bon, première petite rareté, Dédé Arche, Acteur des Abysses, Petite Étoile Brillante, Clochelien, Réparation Fourreur, bon. Rien de bien folichon dans cette première ouverture. Oula. Ok, c'est un peu violent. Alors, à nouveau, le Chevalier Noble Inferno, Astolfo, Dogmatica Nexus, Faux du Lutin Tranchant, Momi Melfi, hop, ça se met de côté, Red Raptor Arsenal Faucon, Melixir, Cercle du Dragon Divin, Épouvantail Samouraï Supralourd, Arme Noble Inferno Haute Claire, Corne d'Olifant. Les olifants, pas comme dans le Seigneur des Anneaux. Attention, ne pas confondre. Donc pour l'instant, un petit Melfi. C'est tout ce que je voulais. Non, en vrai, j'ai vraiment acheté cette display pour les Melfi. Ange déchu capricieux. Lampe Draton. Lapin Melfi. Hop, tu vas là. Baleine cruelle Froureur. Red Raptor Faucon Révolution Red Aérien. Jar Froureur. Nation Dogmatica. Décharge spirale et robot endormeur. La charge spirale, ouais, c'est pour le deck Gaïa. Alors, j'ai regardé pas mal d'ouvertures et j'ai trouvé qu'il y avait, pour une extension de Gaïa, des cartes Gaïa qui tombent très rarement, malheureusement. Alors, Vespanato, la guêpe foreuse, Momi Melfi, Gaïa au galop, je dis ça, puis là on tombe sur un Gaïa, Ange déchu, gâté. Alors, serment des guerriers anciens, seigneur double dragon. Ok. Sentence Dogmatica. Confrontation Dogmatica. Jeu de loup Melfi. Je suis content. Ouais, je l'ai mis à droite parce que j'ai vraiment prévu de me faire un deck Melfi. Hein. Voilà, vous connaissez mon amour pour les petites choses mignonnes. Alors. Dogmatica, Théo, le point de fer. Non, mais en fait, je vais vraiment pouvoir faire un deck Dogmatica au lieu de faire un deck Melfi. Appareil amorceur non autorisé. Dauphin, Peluchimal. Full, Mégalithe. Dogmatica, Fleur de Lys, l'adoubé. Sage des guerriers anciens, vent est, car sud-est. Carte, Gardna, Autartiste. Clochelien, qu'on a déjà eu. Et confrontation, Dogmatica. Okay. Après, s'il y a une carte en particulier que j'aimerais avoir dedans, c'est la triple T. Vous savez tous de quelle carte je parle.
Cryptical Talent. Ange déchu, gâté. Feu de lutin tranchant. Malédiction du dragon, le dragon maudit. Ok, bon. Malheureusement, ça manque d'une rareté. Le potin rouge. Oh, 6, marionnette de l'ombre. Parfait. Parce que comme j'ai un petit deck marionnette de l'ombre, c'est cool. Cache-cache Melfi. Sentence Dogmatica. Et découpé. Ah non, il y en a une autre derrière. Maison pour Melfi. Ah, c'est parfait. Découpé. Ah, c'est avec un... Ok, bah oui, logique, ça s'appelle découpé. Ça se joue avec un DD. Allez. Continue. Cette ouverture. Appareil amorceur non autorisé. Donc, c'est pas autorisé, vous ne l'ouvrez pas. Faux de lutin tranchant. Ange déchu capricieux. Mogi chevalier noble inferno. Melfi de la forêt. Nice. Renaissance spirale. Fureur de Kairyushin. Réparation fourreur. Cloche lien. Par contre, du coup, c'est du Melfi en. Ouais. Donc, on va, comme pour l'instant, le mettre sur les côtés avec les cartes sympas qu'on a eues. Petite rareté. Des familles qui font plaisir. Full mégalithe. Dauphin peluchimal. Lapin Melfi. Coucou. Oh yes, enfin. Funny Melfi. Red Time River. Oh. River Emitter. Fusion spirale. Jar fourreur. Découpé. Cache-cache Melfi. Ok. Elle est jolie la Red Time. Je dis Reviver, mais je pense. Ouais, je pense que c'est dire Reviver. Parce que revivez. Ouais, bref. Mogi, chevalier noble inferno. Pardon. Dauphin peluchimal. Lampe draton. Franchement, je la trouve vraiment rigolote celle-ci, le fait que ce soit un raton laveur qui passe son dragon. Fini Melfi, yes. Arme noble inferno joyeuse. Jar fourreur. Confrontation dogmatica. Décharge spirale. Et jeu de loup Melfi. Ça manque encore de monstres Melfi. Oh là là. J'ai énormément de doublons pour l'instant. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Potane rouge. Réserve vengeur mécabot. Alors ça c'est parfait parce que j'ai un petit deck mécabot aussi. Main du tonnerre. Diamètre matmec. Ogrier chevalier noble inferno. Nation dogmatica. Robot endormeur. Arme noble inferno au clair. Épouvantail samoral supra lourd. Oui, je suis triste. Oui, ça se voit que ça s'entend dans ma voix que petit à petit je suis déçu. J'ai pas assez de Melfi. Et j'ai pas les cartes que je recherche, donc je suis assez triste. Alors je sais ce qu'on va me dire. Alors mon capitaine Roland, chevalier noble inferno, on va me dire que j'aurais dû acheter les Melfi à l'unité parce qu'il vaut que dalle, mais j'aime ouvrir des boosters. Donc voilà, puis on est là pour se faire plaisir aussi. Ange déchu gâté. Ange déchu capricieux. Astolfo, chevalier noble inferno. Rassemblement de la vengeance. Donc tout cool. Renaissance spirale à nouveau. Cercle du dragon divin. Fusion spirale. Et cloche lien. Est-ce qu'on a une booster? Ouais, il y a encore de quoi faire. Je peux encore espérer. Je dis bien espérer. Obtenir du Melfi, voir le triple T. Ok, bon, lapin Melfi. Pardon, main du tonnerre, lapin Melfi. Pony Melfi. Ah, ça c'est du bon. Potane rouge. Clé de voûte Nemes. Nation dogmatica. Sentence dogmatica. Réparation fourreur. Saga des guerriers anciens. Bon, franchement, j'ai plein de cartes guerriers anciens. Je pense que je peux en faire un deck, mais pour l'instant, je suis pas attiré par l'idée de jouer ce deck. Donc, à voir. Gaïa au galop, sympa. Dogmatica Nexus. Capitaine Roland, chevalier noble. Ange déchu gâté. Oh, griffe de métal aux yeux impairs, potartiste. Sympatoche la fusion, sympatoche. Soulèvement de l'ange déchu. Maison pour Melfi! Yes! Je vais être le seul connard qui aime Melfi. Cercle du dragon divin, de charge spirale. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous. Enfin, là-dedans, quel est le type de carte que vous recherchez le plus? C'est du Melfi, du spirale, du arme noble. Je sais pas du tout ce que vous auriez voulu, donc n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Et ils sont là pour ça. Alors, ou du mégalith, hein, full mégalith, ange déchu. Capricieux, appareil amorceur non autorisé. Dogmatica, Théo, le point de fer. Gaïa le chevalier magique du temps. C'est classe. Ok, elle est belle. C'est pas ce que je recherche, mais je suis content. Elle est belle, franchement.
Corne d'Olifant, Jarre Fourreur, Fusion Spirale, Acteur des Abysses. Alors, Vespanato, la Guêpe Foreuse, Lampe Draton, Ange Déchu Nergal, Pony Melfi, le petit pony. Oh, Strena la Reine Rika! C'est vrai, j'avais totalement zappé qu'il y avait du Rika! Mais oui! Je suis content. Je suis grave content parce que je vais aller dans mon deck Rika direct. Arme Noble, Inferno, Haute Claire. Saga des Guerriers Anciens, Vent Est. Réparation Fourreur. Et Renaissance Spirale. Là, pff, franchement, il y a eu du Rika, je suis content. En vrai, j'aime beaucoup le deck Rika. J'avais totalement zappé qu'il y avait cette X6-4. Pony Melfi! Ah, ça, c'est good. Ange Déchu, Négral. Nargal, pardon. Full Mégalith, c'est pour ça que j'ai eu un bug. Ange Déchu, Capricieux. Dragonirène, Rangement. Ok. Je sais pas comment plus qu'il Soulèvement de l'Ange Déchu, Saga des Guerriers, Décharge Spirale, Efferent de Kairufi. Il reste encore pas mal de petits boosters des familles, du coup, ça devrait aller. Allez, le TTT qui sort là. Capitaine Roland, Chevalier Noble, Inferno. Astrolfo, pardon, Chevalier Noble, Inferno. Malédiction du Dragon, le Dragon Maudit. Gaïa au galop. Sympa, très jolie carte. Bloc. Casseroïde, ouais, ok, super, merci. Sentence Dogmatica, Corne d'Olifant, Renaissance Spirale et Réparation Fourreur. Ah! Mais putain! Pourquoi? Pourquoi? Gaïa au galop, à nouveau, Main du Tonnerre, Faux du Lutin Tranchant, Momie Melfi. Ogier, Chevalier Noble, Inferno, Dédi Arch, Robot Endormeur, Fleur de Kairyushin, et carte de garde à porte artiste. Ouais. Il me reste combien de boosters là? Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 6. Bon. Est-ce que sur 6 boosters, on va avoir une chance ou pas? Allez. Vestanato la Guêpe Foreuse, Feni Melfi, yes, Dogmata le Point de Fer, Baleine Cruelle, Dédé Chien. C'est Dédé Corbeau qui cote. Acteur des Abysses, Jeu de Loup Melfi, Robot Endormeur et carte Garna. Okay. Allez, 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 allez. Potane Rouge, Main du Tonnerre. Diamètre Matmec, Réserve Vengeur Mechabot. Wouah! Ok, je connais pas du tout. C'est les glares, le dragon lunaire lumineux. What? Mais elle brille bizarrement, on dirait qu'elle a de la profondeur, ses cheveux. Je ne sais pas du tout cette carte est cotée, mais en tout cas, elle est grave cool. Plus on... Putain, mais attendez, il y a du... si, si, il y a du 3D, ça sent l'épaisseur. Okay. Enfin, je sais pas si. Je dis peut-être de la merde, hein, mais. Je suis très fatigué, j'ai bossé de nuit, soyez indulgents. Fusion Spirale, Découpé, Jeu de Loup Melfi et Nation Dogmatica. Ok, il n'y a plus que 4 boosters. J'essaie de faire vite parce que j'aime pas les ouvertures qui durent 3 heures et j'ai pas envie de faire 3 heures non plus de montage. Du coup, j'aime bien meubler quand je joue. Ange Déchu, Nergal, Lapin Melfi, Baleine Cruelle, Fourreur, Pony Melfius, Soldat Gaïa, le Chevalier. Implacable, Cache-Cache Melfi, Acteur des Abysses, Petite Étoile Brillante, Soulèvement de l'Ange Déchu et Maison pour Melfi. 3 boosters. Il tombera pas le TTT. Vous verrez que je ne vais pas l'avoir, il tombera pas. Mogi Chevalier Noble Inferno, Dogmatica Nexus, Vespanato la Guêpe Foreuse, Dauphin Peluchimal. Ouh! Tank Fracas, Rhinosabre déchaîné. Ok. Éventail Samouraï Supralourd, Arme Noble Inferno, Haute Claire, Acteur des Abysses, Petite Étoile Brillante et Confrontation Dogmatica. Deux boosters. Deux. Deux. Ange Déchu, Nergal. Réserve Vengeur, Mechabot. Baleine Cruelle, Fourreur. Appareil amorceur non autorisé. Je suis désolé, je suis parce que il fait chaud. Appareil amorceur non autorisé et
Le chef du chaos, le dragon magique chaotique. Très très belle carte. Synchro. Dédémal. Renaissance. Spirale. Robot endormeur. Et jeu de l'ombre elfique. Dernier booster. C'est chier parce qu'en vrai, je m'en fous du dédé corbeau. J'en ai rien à foutre de la rareté du prix de la carte. Moi, je cherche des cartes que j'ai besoin et c'est le TTT que je cherche. Le challenge. Donc, le lapin Melfi. Ok, malédiction du dragon, le dragon maudit. Dogmatica Nexus. Lampe Draton. Poupie Melfi! Dépeuille le 4. Dédé mâle. En plus, c'est rare. Ouais. Découpé, du coup, voilà. Dédé Arche. Bon, bah, voilà. Toujours de Kairi Yoshi. Bon, bah, voilà. Putain, mais c'est pas vrai! Mais non, mais je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Bon, alors, niveau rareté, on a quand même eu des petits trucs sympas. Hein, le passant bah, leurré, le dragon. Ouais, on a du Gaïa. Encore du dragon, des chiens. Ouais. Je sais même pas si j'ai un truc qui cote. Je vous avoue, j'ai pas retenu la cote, à part pour le corbeau Dédé. Mais pour le reste, voilà. Bon, le Melfi, bah, du coup, je vais ranger le Melfi de côté. Hein. Melfi, voilà. Bon, merci à vous d'avoir suivi l'ouverture de l'ascension des duelistes. J'ai pas eu de chance sur ma display, je pense. Je sais pas. Je vais aller voir la cote. J'en ai aucune idée. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Pensez au pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Surtout, c'est très important. C'est important parce que ça sert au référencement et ça me sert à moi de savoir si les ouvertures vous plaisent. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez que je m'attarde beaucoup plus sur les cartes, même si j'aime pas trop ça parce que je fais des vidéos dédiées, explicatives sur les decks que je joue, donc dans les ouvertures, ça m'embête un petit peu. Et surtout, bah, partagez si vous aimez bien sur les groupes. Entre potes, ce qui vous voulez. Nous, on se retrouve très prochainement pour une autre ouverture qui arrive très bientôt. Et j'essaie de trouver un nouveau concept. Enfin, j'essaye. Va y avoir un nouveau concept, j'en dis pas plus. Allez, bisous à tous, prenez soin de vous, et à bientôt.